les amis. Ah, bonjour à tous. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Arrête, ah, laisse-les tranquilles. Je veux que ça... Bah oui, mais en même temps, Jaco. Ah. Ah oui. Ah. Hop, tu fais du rangement? Ouais, je fais la place. Bah, aujourd'hui, on va vous parler du jardin des champs et du jardin des villes. Il y a une fête de la fontaine, je crois que ça. Mais je crois que c'est pas avec les jardins. C'est pas avec les jardins. Donc, jardin de campagne, jardin des villes. Des ruraux. Et des urbains. Citadins. Voilà, citadins. Oui. Voilà, donc, je vais vous essayer de comparer un jardin de ville avec un jardin de campagne. Il y a des points qui ne sont pas du tout pareils. C'est-à-dire que un jardin de campagne, souvent, il est beaucoup plus grand. En campagne, souvent, ils ont beaucoup de terrain. Pas tout le temps, il y en a qui ont aussi des petits jardins. Déjà, ça, c'est la première différence. Souvent, en ville, c'est des petits jardiniers. J'ai rarement vu un jardin qui dépassait 300 mètres carrés en ville. Oh oui. Surtout, enfin, je parle d'ici. Oui, bien sûr. À Boulogne-sur-Mer. Donc, déjà la surface en ville, souvent, c'est plus petit. En campagne, souvent, les jardins sont juste entourés d'une haie ou même des fois rien du tout. C'est juste, c'est grand. J'ai un frère qui habite à la campagne. Au jardin, il n'y a pas de couture. Hein. Passer en bord de route, vous voyez tout potager. Voilà, c'est comme ça. Ici, c'est tout entouré. Alors, il y a des grillages, des murs, il y a tout. Bon, ça peut être c'est un avantage et un inconvénient. C'est un avantage quand il y a du vent. En campagne, ben, s'il y a du vent, eh ben, vous avez vous prenez tout. Vous n'avez pas de haie ni de mur, vous prenez tout. Par contre, si vous avez une haie, là, on est sur le même point. Les prédateurs, ben, nous, en ville. On n'en a pas beaucoup. On n'en a pas du tout. À part les oiseaux. Un petit peu d'oiseaux, mais. Tout ce qui est rampant, on ne peut pas le voir. Parce que je vous explique. Nous, là derrière, c'est la voisine. Là j'ai la haie. Voilà. J'ai la haie. Et ça descend à 2 mètres derrière. Ouais. De toute façon, voilà, on voit sa toiture. Ouais. Hein, on est sa juste toiture au bord. Est au niveau de notre jardin. Oui. Donc il y a 2 mètres en bas. Donc là, pour rien, ils sont passés là. C'est pas ça. C'est foutu. Par là, ici bah, c'est muré. C'est clôturé tout le long. Oui, même mieux. De l'autre côté, c'est la route. Et voilà. Quand on est dans le jardin, on a la route, je dirais, 1,50 m plus bas. À peu près, oui. Quand on arrive au bout. Hein. Et, bon, pour moi, 1,50 m, on n'y est pas loin. Donc, des hérissons acrobates. Donc, pour nous, et les prédateurs, c'est difficile. Pas de lézards, pas de grenouilles, pas de tout ça. Non, pas de serpents, pas d'orvées, pas de... Non, rien, on n'a rien. Quelques oiseaux, ouais. Très peu. On les voit l'hiver. L'hiver, pour qu'on les nourrit. Mais sinon, l'été, on les voit plus. Ils vont dans les bois pour nicher. Qu'est-ce qu'il y a encore en différence pour les amendements? En campagne, souvent, ben, il y a le cultivateur qui est pas loin, vous amène... une remorque de fumier, puis voilà, vous rentrez, puis voilà, vous avez du fumier à foison. Ou alors sinon, vous allez vous-même chercher, c'est pas loin, il y a des tas partout, en campagne. Ou en ville. Non. Non, on voit pas des tas de fumier partout. Et puis, si on demande à un cultivateur de venir nous balayer une remorque de fumier, on s'aligne. Oui, on a tout de suite un PV, on n'a pas le droit. Voilà. Non. C'est un peu normal. Puis souvent, les maisons de ville, des fois, sont aussi mitoyennes. Donc, pour accéder au jardin, il faut passer par la maison. Passer des brouettes et fumier. Ah, j'imagine la scène. Là, c'est un cul de vivre, ça. Oh, oui, carrément, là. Ouais. Donc, le fumier, avant. Ou après, vous allez chercher, vous sortez de la ville, vous allez chercher ça dans des sacs et puis vous le ramenez. Mais pareil. Ouais, aussi, ouais. C'est pareil, la voiture. Elle sent pas la frontière, elle sent pas la rose. C'est pour ça qu'on vous dit à chaque fois, nous on utilise du fumier en granule. Voilà, du fumier en granulé pour donner un coup de boost. Et puis maintenant, on a un composteur qui travaille bien qui aussi. Qui travaille bien, ouais, donc, voilà. Un sac de fumier, 20 kg pour faire pour un petit jardin comme nous. 2 ans. Ça fait 10 kg par an. Et puis, ouais, 2 composteurs. Voilà. Chez nous, on a environ 70 mètres carrés à l'extérieur. 20 mètres carrés de serre, puis une terrasse, ça fait à peu près 110-120 mètres carrés.
pour deux personnes, c'est suffisant, je dirais. Pour être autonome pendant 7 à 8 mois de l'année. À peu près 8 mois, oui. En comptant la stérilisation, la congélation, ouais. Les légumes mangés au moment de la récolte, bien évidemment. Ouais. Et, puis le surplus partagé. Oui, on nourrit en plus les voisins. On nourrit en plus quelques voisins, oui. Donc voilà, à condition de bien faire ses rotations. Voilà, aussi. En campagne, souvent, quand ceux qui ont des grands jardins, ben, ils plantent, et puis bon, ben, ils récoltent plein pour faire plaisir à tout le monde, et puis faire de la réserve. C'est encore différent, hein, les jardins de campagne, quelquefois, c'est différent de nous. Hein. C'est encore différent. Donc. Excuse-moi, Jaco, on parlait autonomie, mais légumes. Que légumes. Oui, en fruits, non. Voilà, pas de. Enfin, on a quelques fruitiers, mais là, pas autonomie de fruits. Autonomie ni d'animaux. Il faut beaucoup de terrain. Voilà. On n'est pas autonome avec son mécanisme, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, c'est impossible. Bon, donc en campagne, bah, tout est paillé parce qu'il y a des auxiliaires qui viennent sans problème. Vous avez l'autoroute des hérissons et puis ici, l'autoroute est fermée et le péage est trop cher. Donc nous, bah, on évite de pailler. Donc pas de paillage. Donc un sol à nu. Non, mon sol n'est pas mort. Mon sol produit pas mal. 100 mètres de produits chimiques. On fait son propre potager. Non, on va pas faire le con d'aller mettre des produits chimiques dans la terre. Bah, hein, moi, dès le début, là. Ni des produits, des pesticides et tout ce qui finit par ride. Hein. Mm-hmm. Voilà, ça serait dommage hein, d'avoir pouvoir faire tes légumes et puis les mettre des saloperies comme quand on allait les acheter au supermarché. Exactement. Donc voilà, donc pas de paillage. Donc une culture assez dense. Donc si tu fais mon paillage, hein, ça couvre le sol. Hein. On voit que les salades, hein, c'est planté dense. Donc là, on voit plus la terre. Maintenant, pour maintenant, on s'en fout parce qu'il fait moins chaud. Bah là, c'est pareil. Hein. On retirait les épinards, elles sont en train de bien s'étaler. Voilà, là, les salades. Les petites salades, ils vont reprendre la place et puis voilà, on ne verra plus le sol. Hein. Non. C'est comme ça que je procède. Tout à fait. C'est mon paillage à moi. Un paillage utile, je dirais, parce qu'il est consommable. Donc voilà. Donc, c'est pour ceux qui ont la chance de pouvoir pailler. Et d'avoir un équilibre dans le jardin, c'est magnifique. Et je ne vais pas croire, hein, j'ai essayé, je voulais le faire. Ouais, on a essayé. C'est impossible. Quatrième année, plus rien. Ouais. Alors, en quatrième année, on avait quoi à peine 20% cette année. Ouais, à peine 20% de ce qu'on a eu en récolte. Et c'était atroce. Les premières salades, il fallait que j'en plante 5, 6, 7 fois. Avant de commencer à les voir se développer, c'était horrible. Et à jeter des salades entières remplies de limaces qui étaient complètement gléroses, c'était une horreur. Hein, une horreur. En fait, je faisais un élevage de gastéropodes. Oui. Donc non, c'est pas possible partout de pailler. Il y a des coins où on ne peut pas pailler. Ça ne sert à rien de répéter, on peut en discuter pendant 3 mois, c'est comme ça. Donc voilà. Ensuite, en campagne, vous avez souvent de la place, donc pour les réserves d'eau. C'est pratique. Pas de problème. En plus, quand vous paillez, Vous arrosez un petit peu moins. Donc nous, on arrose un peu plus parce que c'est un sol à nu au départ. Mais une fois que c'est bien poussé, on arrose moins. Comme pour un paillage. Donc, après, en jardin de ville, c'est un choix. Donc, comme le jardin est petit, plus vous allez mettre de réserve d'eau, moins vous aurez de place pour cultiver. C'est logique. J'ai dit, la surface ici, 70 mètres carrés. Hein. Oui, 110, 120 plein. Donc, c'est un choix. Où on met des réserves d'eau, on réduit sa surface, on en met moins. Et là, on utilise l'eau du robinet. On prend l'eau du robinet. Parce que si on n'arrose pas. Eh bien, pas de légumes. Voilà. Un jardin, ça demande de l'entretien, et les légumes, ça demande de l'eau. Tout comme un homme. Un homme, si vous ne l'entretenez pas, on prend madame. Non, mais Jaco. Voilà, pareil pour les femmes. Voilà. Il va faire des copines. Ah oui, ça c'est sûr. Bon, alors, je parlais des zones d'ombre. Donc, quand vous avez un petit potager entouré de. Il faut d'abord observer où il y a du soleil le plus dans la journée, où il y a plus d'ombre et où il y a des coins mi-ombre. Parce que quand c'est entouré comme ça, vous allez avoir de l'ombre, c'est sûr. Nous, on est à le fond. Là-bas, il y a une nuée. Comme le soleil se lève à l'est. Comme tout le monde. Alors, le soleil il se lève par là. Voilà. Après, nous, il tombe dans l'eau, soit. Le soir, il tombe là-bas. Il tombe dans la mer, à l'ouest.
Ben voilà, et donc ils passent ici me faire bonjour toute la journée. Ils me font coucou toute la journée. Donc là, au pied de la haie, c'est ma zone d'ombre. C'est, ouais. Donc là, j'ai réfléchi pour y mettre des plantes qui ne manquent pas trop de soleil, genre... Les petits fruitiers. Genre framboisiers qui ne manquent pas trop de soleil. Un mion où ils se plaisent très bien. Donc ils ont le pied à l'ombre et la tête au soleil parce qu'ils montent. Et bien sûr, ce qui est magnifique là, c'est le... Compost. Composteur. Composteur à l'ombre. Donc moi, j'en ai mis deux. Ce qui me permet de l'avoir toujours à l'ombre. Il reste plus longtemps humide. Par contre, s'ils n'avaient pas de place à l'ombre pour mettre un composteur, vous pouvez le mettre en plein soleil, c'est pas gênant. Par contre, il faut le fermer ou couvrir, et puis il faut l'arroser. L'arroser régulièrement. Non, on l'arrose pas. Parce qu'il est toujours à l'ombre, il est toujours frais. Comme on y met pas mal de matière verte, donc ça fait l'humidité. Et puis quand il se met à pleuvoir, hop, on l'ouvre. Ah, c'est ouvert. Et voilà. Direct, comme ça, bah, ça profite. Et puis, bah, on fait un beau compost, hein, vous l'avez vu. Voilà. Donc, quand vous commencez un potager, que vous soyez en ville, en campagne, déjà, il faut savoir ce que vous voulez faire dedans. Il ne faut pas vous lancer dans un grand jardin, parce qu'après vous allez vite être écœuré si vous n'arrivez pas à suivre. Il faut vous dire qu'un jardin, c'est un temps à y passer, un certain temps à y passer par semaine. Quand on vous dit vous faites ça en un week-end, puis vous plantez, vous revenez récolter. Oui, bien sûr, non, c'est non, ça, oui. Il ne faut pas faire ça, vous allez être déçu. Donc, il y a un minimum. Un petit passage tous les 2 jours ou tous les 2 jours, vous passez pour voir si tout se passe bien. Et puis le week-end, vous y passez quelques heures. Voilà. Donc, si vous prenez grand tout de suite, c'est-à-dire si vous n'avez pas l'habitude de faire du potager, vous prenez grand, vous allez galérer. On peut dire ça comme ça, vous allez galérer. Donc, vous commencez crescendo vers la première parcelle, vous faites une petite culture, de la salade, des radis. Des choses faciles au début. Surtout des choses faciles. Voilà. Hein. Vous n'allez pas vous lancer dans du melon, surtout si vous habitez dans le nord. Hein. Dans le sud, c'est différent. Pour vous, un melon, une pastèque, c'est facile. Ça va pousser presque tout seul. Voilà. Et ici, lui, il faudra de l'eau. Ici, c'est une culture. Donc ici, c'est plutôt la betterave. Vous faites des cultures comme ça. Et puis, vous continuez comme ça, selon vos besoins. Après, vous passez aux pommes de terre, vous passez à des salades, à des pois, à des haricots. Là, vous augmentez votre surface. Mais... pour ne pas vous laisser dépasser, quand vous continuez à créer de nouveaux espaces pour des nouveaux légumes, il ne faut pas laisser les premiers à l'abandon, il faut toujours s'en occuper. Alors, vous allez, puis ça, le roulement va se faire tout seul. Voilà, vous aurez votre roulement, l'entretien va se faire tout seul. Voilà. Puis il faudra vous dire que, bon, un exemple, le samedi matin ou le samedi après-midi, vous y passez 2 heures, vous prenez une griffe, vous avez un jardin pour ceux qui ont un terrain nu. Hein. Oui, bien sûr. Vous aérez le jardin, hop, ça empêche les aventures de pousser. Et puis, les légumes, ils prendront la place, et après, vous irez de moins en moins. Parce que là, les légumes, ils n'auront pas de la place, les aventures, ils ne pousseront plus. Ou très peu, on aurait tout le temps enlevé. Voilà. Donc, bien réfléchir quand on se lance dans le projet d'avoir un potager. Pas faire n'importe quoi. Pas cultiver n'importe quoi, toujours cultiver ce que vous consommez. Parce que quand vous allez ouvrir le catalogue, vous allez tout voir. Ah, c'est bien ça. Oh, ben ça c'est beau. Ah, ben ça c'est bien. Ah, ben c'est bien ça. Puis vous allez avoir trouvé avec 25 variétés de salades, 10 variétés de courges. Bon, tomates, c'est autre chose. Je parle d'autre chose. Ouais, ça sera un autre sujet. Si vous tombez en collection, alors là c'est. C'est autre chose. Aïe aïe aïe. Après, ben, des betteraves, vous allez pouvoir mettre 5-6 variétés de betteraves, et puis, puis au final, eh ben, vous en aurez beaucoup trop. Pour un petit jardin de ville, c'est pas possible, ouais. Ça. Ouais, c'est pas possible. Donc après, il y a le système aussi de tout mélanger. Quand vous avez de la place, que c'est grand. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Faut là, de la place. Vous mélangez tout, vous en mettez plein partout. Quand vous avez un petit jardin, vaut mieux ranger comme il faut. Certains diront que c'est un jardin militaire, qui est conduit au cordeau. C'est... Oui. Eh oui, mais c'est comme ça, pour pouvoir récolter des légumes. Voilà. Ensuite, il y a les sols lourds. Les sols très lourds. Alors, il y en a qui disent qu'il faut mettre de l'apport organique en surface, ça va vous donner une belle terre. Ouais, mais ils ne vous disent pas au bout de combien d'années. Au départ, vous allez avoir ça. Pour faire plus des carottes,
c'est pas terrible. Hein. Je vous parle des sols lourds. Hein. Donc, moi ce que je vous conseille, c'est de prendre du sable grossier et les surfaces où vous avez cultivé du légumes racines, vous y mettez du sable, mais pas une brouette pour 100 mètres carrés. Hein. C'est une brouette, moi je conseille une brouette pour 2 mètres carrés au départ. Et puis vous avancez comme ça. Puis chaque année, à la culture, vous allez changer de place. Je prends l'exemple de la carotte. Cette année, je la ferai sur cette bande-là. Donc, cette bande-là, je la léger maximum. Voilà. Comme ça, elle sera à meubler, je ferai mes carottes. L'année d'après, ça sera là-bas. Donc, je refais la même chose là-bas. Et celle-là sera toujours meuble. Hein. Donc, ici, vous pourrez changer la culture. Puis au fil du temps, votre jardin sera. Vous aurez une belle terre partout. Et ça, on peut faire ça au jardin de ville, jardin des champs. C'est pour les terres lourdes. Les terres lourdes. Voilà. Un sable grossier. Du sable du 0,4-0,5, du gros sable. Vous mettez ça. A savoir qu'en mettant du sable, vous ne nourrissez pas votre terre. C'est un amendement qui n'est pas nutritif. Donc il faudra quand même y amener du fumier, du compost, des granulés de fumier. Pas de produits chimiques. Hein. Jamais de produits chimiques. Sinon, ça sert à rien. Voilà. Par contre, si vous avez une terre fort sableuse, là, ça va être l'inverse. Là, vous allez arroser tout le temps, d'un coup, elle va partir. Donc là, c'est ce qui est idéal, surtout pour ceux qui habitent à la campagne, les vénards, vous prenez du fumier de vache, frais, et là, vous en mettez. Fumier de vache, oui, c'est bien précis en plus. Fumier de vache frais, pailleux. Oui. Et vous, seul, là, au départ, vous mélangez bien votre terre. Ça va l'alourdir un peu. Et au fil du temps, régulièrement, mais au fil du temps, votre terre va s'alourdir. Ou alors on vend de l'argile. Ça se vend aussi. Je ne sais plus le nom du produit. Ça met de la terre. Et puis, ça va alourdir votre terre. Pour les terres sableuses. Hein. Ok. Voilà. À savoir que les terres argileuses sont souvent les plus généreuses. Donc, il ne faut pas désespérer d'avoir une terre argileuse. Hein. Il est plus facile d'alléger un sol lourd que d'alléger un sol léger. Hein. Oui, tout à fait. Oui. Voilà. Bon, ici, on avait beaucoup de glaise, énormément de cailloux. Il y en a encore hein, au niveau des fleurs de la glaise. Hein. Ouais, c'est horrible. Ça devient du béton. Dur. Rien qui pousse dedans. Donc là, j'ai mis pas mal de sable. Et puis, j'ai mis un peu de terreau. Enfin, tout ce qui traînait, tous les fonds de sac et de terreau, souvent, je passais dedans. Et puis, bon, c'est pas le terreau qui fait, c'est plutôt le sable. Voilà. Il y a beaucoup de compost, hein, du fumier, du compost, j'en ai mis pas mal. C'est comme ça qu'on obtient une terre assez agréable à travailler, je dirais. Voilà. Et puis, là, je peux renforcer ma main, hein, je vois, hein, sans problème. Hein. Je vais recommencer là, je renforce ma main droite. Hein. On voit, hein. Voilà. Ouais. J'ai une certaine surface après moi. Bien sûr, évidemment. Et je retombe sur le mauvais. Évidemment, hein. Voilà. Oui. Ça, c'est pas mal aussi la perlite, quoi. Oui, la perlite, c'est bien. Vermiculite. C'est ce qui sert en. Pourquoi c'est fort léger. C'est ce qui sert en. C'est. Ça s'écrase tout seul. Donc, c'est pour ça que. Quand on met ça, souvent, il faut en mettre. Après, il faut en mettre tous les 2-3 ans. Ça allège un peu le terrain, ça décompacte. Ça prend un petit peu d'humidité. Donc, ça. Mais c'est pas grâce à ça qu'on n'arrosera plus. Non, c'est sûr. Ça sert en maçonnerie, ça, pour alléger les bétons, ça. Mm. Donc voilà. Donc voilà, un petit peu la différence entre les jardins des villes et les jardins des champs. Voilà. Et j'ai plus parlé du jardin des villes, parce que c'est là qu'il y a plus de sujets. Oui. Là, il y a un peu plus d'inconvénients qui peuvent se transformer en avantages. Bien sûr. Comme ça. Ça quoi? Un mur. Ah oui? Bon, nous, là, il y a la serre devant. Mais sinon, un beau mur comme ça, bien exposé, vous tendez des câbles. Des fils de fer. Oui, et puis vous y mettez des vignes. Des vignes, des pommiers, des poiriers à palmettes. Oui, c'est vrai. Un pommier et un poirier à palmettes, c'est. Ça suffit. Oui. Vous gaspillez, ça coûte. Surtout, comme mon ami, des doubles U, c'est une centaine d'euros. Voilà, c'est 5 ans de travail quand même. Hein, un gars qui a fait ça, il a passé 5 ans à le faire. Mais voilà, vous pouvez. Pour des petits budgets, prenez un sillon. Un sillon, c'est un greffon d'un an, je veux dire. Un an et demi. Vous prenez ça, vous le plantez contre
les branches qui vont partir du filon, ben vous l'accrochez sur vos fils de fer. Et vous allez le palisser tout seul. Il n'y aura pas une taille de W ou... Mais vous l'aurez palissé. Il prendra beaucoup moins de place. Et vous aurez un mur rempli de fruits. Ça vous donne. D'accord. Et ouais, souvent on fait ça, on a déjà des curés. Voilà. Bon, t'as tout dit, Jaco? Je peux en parler pendant des jours. Oui, on pourrait parler pendant des heures. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Oui. Hein, mais de toute façon, si vous avez des questions, bah, vous n'hésitez pas. On est là pour vous répondre. Au cas où bah, vous avez encore besoin d'infos, eh ben, vous nous demandez, on fera un complément de vidéo. Voilà. Et puis ben là, je pense que la prochaine vidéo sur les... pour commencer un potager, je pense que je parlerai de l'outillage. D'accord. Hein, qu'il faut avoir en priorité pour commencer un potager correctement. D'accord. Voilà, c'est la manière de commencer. Bien, Jaco. Voilà. Alors, si vous avez aimé notre vidéo, eh ben, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, abonnez-vous. Comment ça se fait? Ah bah écoute, je suis sûre qu'il y en a qui ne sont pas abonnés. C'est et qui nous regardent. Normal. C'est pas normal du tout, ça. Non, si vous voulez connaître la suite, il faut vous abonner, c'est obligé. Eh ouais, sinon, vous ne saurez pas. Et puis, vous activez en même temps la petite cloche. Et en plus, c'est gratuit. Et c'est gratuit. Vous appuyez sur le bouton abonné. Oh. Abonné, voilà. On vous dit à très très bientôt. À bientôt. Bon jardinage à tous. Et on n'oublie pas le petit pouce bleu. Papa.